Salut à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter deux palettes que j'ai reçues il y a un petit moment déjà et que je voulais absolument vous présenter. Donc la première, c'est la palette de chez Too Faced, c'est la Chocolate Bonbon, la nouvelle palette de chez Too Faced. Et la deuxième palette, c'est la palette aussi de Too Faced, c'est la Love Flush, c'est la palette de blush de fard à joues. Alors, je commence par la première. Donc, je vous l'ouvre. Elle se présente comme ceci, avec plein de petits cœurs. Elle est toute rose. Elle est trop mignonne. On a à l'intérieur, on a 16 petites couleurs qui sont absolument magnifiques. Tout en cœur, bien évidemment. Dois-je vous rappeler que la chocolate bonbon, quelle qu'elle soit, il y en a trois maintenant, c'est la troisième, elles sentent tout le chocolat, donc c'est un vrai délice que de se maquiller avec. Laissez tomber. Alors, je vous montre rapidement, on a plusieurs couleurs qui sont assez marronnées, on a deux couleurs qui sont assez nude, qui sont les highlighters et bases, c'est les deux grandes couleurs rectangulaires, et on a quelques couleurs assez flashy, qui sont super sympas. Donc on a la violette là qui s'appelle Black Currant, magnifique. On a la bordeaux qui est juste là, on a la bleue ici, bleu foncé, c'est entre le bleu et le gris, ça s'appelle Earl Grey, et le rose flash magnifique aussi qui s'appelle Totally Fetch. Voilà, on a donc plusieurs marrons. On a plusieurs beiges, on a des rosés qui sont magnifiques, la coton candy qui est là, on a un rose un peu plus pâle juste ici qui s'appelle Sprinkless, voilà, magnifique. On a des fards mat, des fards irisés, il y a vraiment un peu de tout dans cette palette, elle est vraiment super belle. Vous voyez que je l'ai utilisée donc plusieurs fois, j'ai succombé directement, elle est tellement jolie et franchement, je regrette pas, voilà. Rapidement, je vous montre la deuxième palette, qui est la palette de blush, donc de fard à joues, qui est la Love Flush. Hop, je vous montre ça tout de suite, c'est pareil, il y a des cœurs partout, c'est magnifique. Attendez, je vous enlève le miroir, histoire que ça ne vous aveugle pas. Donc, on a 6 fards à joues qui sont les 6 fards à joues de la gamme Love Flush de chez Too Faced. Donc, ils sont vendus à l'unité. Là, on a toute la palette directement d'un coup. C'est magnifique. On a donc du rose, on a du un petit peu foncé, rose foncé, marronné limite. On a du pêche et on a même du rose flash et du fuchsia. On passe par toutes les couleurs, je vous les montre rapidement comme ça, hop. Vous avez là la Love Hangover, hop, la deuxième c'est le Baby Love, assez marron, hein. Limite on peut faire du contouring avec, j'ai envie de vous dire. La orange là qui est pêche un petit peu, I Will Always Love You, on reconnaît un petit peu le titre de la chanson. Ensuite juste à côté, un petit peu plus foncé, on a la How Deep Is Your Love, pareil, hein. Ensuite le rose, l'avant-dernier là, c'est le Justify My Love. Et le dernier, le Your Love Is King. Voilà. Les fards sont magnifiques, ils sont super pigmentés. Je vous montre genre le premier par exemple. Hop, donc on voit direct. Voilà, en un coup, hein. Franchement, je vous montre le How Deep Is Your Love parce que franchement, je le kiffe. C'est là. Voilà, ils sont magnifiques, tous les uns autant que les autres, enfin je les adore par-dessus tout. Je me suis maquillée aujourd'hui avec ces deux palettes là, je vous ai fait un tutoriel, enfin un tutoriel façon de parler parce que je suis pas une pro du maquillage, mais je vous ai fait un petit tuto avec donc mon maquillage d'aujourd'hui et donc l'utilisation de ces deux palettes, histoire que vous ayez un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire avec.
J'espère que ce petit tuto vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce vers le haut si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Je vous laisse avec ma vidéo tutoriel. À toutes! J'étale ma bébé crème, le chardon et le marabout de Garantia avec mes mains. Elle est anti-âge et matifiante. Donc ça me permet aussi de soigner ma peau en même temps. Je viens ensuite balayer les peluches de la bébé crème avec mon gros pinceau éventail. Face à l'anti-cerne, j'utilise la Erase Paste de Benefit en teinte numéro 2, donc c'est la médium. Et je viens l'appliquer avec un pinceau correcteur. Voici. Il est légèrement orangé, du coup ça me permet de cacher un petit peu mes cernes gelées. Je prends l'effaceur anti-tache, le correcteur de tache de chez Maybelline et je viens l'appliquer sur mes imperfections. Pour les couvrir ainsi que sur les cernes. Ça ne va pas les couvrir entièrement, mais ça va diminuer l'apparence des rougeurs significativement. En chantant, c'est encore mieux. Avec la Beauty Blender. L'estompage, c'est super important si on veut quelque chose d'unifié. Et on passe au maquillage des yeux avec cette base à paupières de chez Too Faced, donc c'est la Shadow Insurance, que je vais estomper avec mon doigt sur la totalité de ma paupière. J'étire histoire d'éviter qu'il y ait certains plis qui se coincent et que du coup ça soit pas bien unifié. Celles qui ont plus de 20 ans me comprendront. Quand je me maquille, j'étire beaucoup mes paupières histoire d'avoir un fini vraiment uni. C'est important. On va passer maintenant à la palette bonbon de chez Too Faced. Elle est là!
n'est-elle pas magnifique? J'adore. Donc on prend un pinceau creux de paupière, on vient prélever la Black Currant, donc c'est un irisé violet. Et le pinceau, il est de la marque Zoeva, c'est un Luxe Petit Crease, le numéro 231. Et oui, n'ayez pas peur, c'est du violet, je le mets en creux de paupière. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà, j'étire ma paupière comme promis. Et je vais venir estomper la couleur. Je viens former un sorte de V à l'envers. Donc, je vais jusqu'à l'extrémité de ma paupière. Et ensuite, je redescends au niveau de ma paupière. Et je fais des va-et-vient. On estompe. Je viens prélever avec un pinceau creux de paupière, mais un peu plus plat, la couleur Earl Grey, qui est un bleu grisé, et je l'applique par-dessus l'autre couleur. Mais sachant que le pinceau est plus fin, la première couleur va être visible quand même. Alors j'estompe avec un pinceau estompeur qui est ultra fluffy. C'est le pinceau Luxe Soft Definer, le numéro 227 de chez Zoeva. Et j'estompe. S'il faut, n'hésitez pas à remettre un petit peu de violet. Black Currant. Si vous avez l'impression que vous l'avez trop couverte, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, n'allez pas trop haut. Ensuite, je prends un pinceau plat, excusez-moi, et j'applique la couleur café au lait sur la paupière mobile en tapotant. L'intégralité de la paupière mobile, voilà, en tapotant. C'est important parce que si on estompe, il y aura un peu moins de couleur. La même chose de l'autre côté. Avec un pinceau ombreur, je viens prélever Molasses l'applique sur la paupière mobile. C'est un doré irisé qui est absolument magnifique. Donc là, de la même sorte, je viens le poser sur la totalité de ma paupière mobile. Je tapote et j'estompe un petit peu. Je prends mon pinceau estompeur et je viens estomper les couleurs que j'ai posées sur mon creux de paupière au début. Je prends un pinceau estompeur et je prélève la couleur coton candy, ce rose absolument fabuleux, que je viens poser sur le haut de la paupière, par-dessus la couleur que j'ai posée au début. Pas jusqu'à mes sourcils. Ce pinceau, c'est celui de la Naked 2 que je réutilise souvent.
et je prélève avec un gros pinceau ombreur la couleur satin sheets que je viens appliquer en dessous de mes sourcils, une couleur irisée à tomber par terre. Avec un pinceau à sourcils, je viens prélever la première couleur qu'on a utilisée, la Black Currant. Et j'applique ça en racine inférieure, mais du côté extérieur. Ce pinceau-là, il est rigide, il est plat, il est biseauté. Et du coup, il accroche le fard au cœur des cils. Avec un petit pinceau estompeur, je viens appliquer le satin sheet en creux interne, histoire d'enluminer ma paupière. Donc ce pinceau, c'est le Luxe Pencil, le numéro 230 de chez Zoeva. Ensuite, j'applique le Molasses Chip sur le ras de cils inférieur. Je prends un crayon violet qui est le Bright Coal de chez Emma, le numéro 3, et je viens tracer un trait comme un trait d'eyeliner en fait, et ça va venir redéfinir la couleur que j'ai posée au début. Je prends mon eyeliner de chez ELF, donc c'est un eyeliner gel, et avec mon pinceau liner, le Wing Liner numéro 317 de chez Zoeva, je viens tracer un trait super fin en ras de cils supérieur. Je commence à faire un trait très très fin. Et je viens raccorder avec mon point interne. Et je l'épaissis au fur et à mesure. La même chose de l'autre côté. Ensuite, je prends mon crayon Kohl de chez Givenchy que j'adore et je l'applique en muqueuse. Et maintenant que mes yeux sont terminés, je repasse un petit coup avec mon correcteur anti-tache de chez Maybelline, avec ma Beauty Blender, histoire de donner un petit coup de propre à tout ça, on va dire. Un petit coup d'estompage, hein. Ça peut pas faire de mal. Je vais ensuite prendre ma poudre HD de chez ELF et je vais venir en appliquer en dessous de mes yeux et sur la totalité de mon visage avec un pinceau duofibre. Ça va permettre à mon correcteur de tenir toute la journée.
va maintenant passer au teint. Donc on va faire un mini contouring. Mais avant ça, je vais mettre mon mascara. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, bien évidemment. Benefit. Donc je commence par la queue du sourcil et ensuite je fais le devant. Ça fait un effet plus naturel, disons, je préfère. Sur la totalité.
totalité de la surface de l'œil. C'est la couleur pionnier que j'ai reçue dans mon coffret Le Grand Palais. Vous avez fait une vidéo dessus. Et je viens poser la couleur en tapotant sur la totalité de mes lèvres. Donc je tapote et ce qui est sorti, du coup je l'estompe. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne suis pas une professionnelle des tutos, mais j'ai quand même essayé de faire ce que je pouvais. Si ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à l'essayer chez vous et à m'envoyer une petite photo sur Instagram ou par mail. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous aimeriez que je vous en refasse d'autres, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.